bien, salut tout le monde, c'est MrBboy45, on se retrouve pour la suite de Until Dawn qui se fait à l'heure actuelle comme le let's play sur Alien en live. Vous connaissez ma chaîne Twitch, si vous ne connaissez pas, faites un petit effort s'il vous plaît. Et on y va, ça dit des coucou YouTube, c'est très mignon, malheureusement là YouTube ne verra pas l'écran, mais merci quand même hein, de saluer YouTube, ça fait toujours plaisir. Let's go. Et précédemment, Until Dawn, évidemment, on l'oublie pas celui-ci. Waouh, c'est bizarre. Hé hey, merde, quoi. Ah oh, hé. Sam. Oh non. Chris, le choix t'appartient. Allô. Merci, on a besoin d'aide, s'il vous plaît. Oh, oh putain. Violence, chapitre 7, 4 heures jusqu'à l'aube. Bon, c'est là où tout le monde peut mourir très vite. Là, oui, elle est toujours en serviette. Hein. On apporte le gros du bras, comme on dit. Sacrée serviette, d'ailleurs. Toujours incroyablement blanche. Ok. Là, il n'y a rien. Oh. C'est pas... Oh, c'est pas possible. Plan de machine de mort. Bon, bah là, vous commencez à comprendre ce qui s'est vraiment passé. Évidemment. Ok. N'empêche, il a mis un an pour tout prévoir, hein, Meskin. Hein. Il avait vraiment du temps à perdre. Hein. Quoi ? Évaluation psychiatrique finale du docteur A. Hill sur Joshua. Donc, en fait... C'est donc Josh qui est face au docteur A. Hill. Et ça date de 2006-2007. Suite à un incident à l'école. Ok. Fluoxétine de 2006 à 2010. Le patient a signalé que les effets de secondaires maux de tête et nausées devenaient trop sévères. Et voulait changer de médicament. Duloxétine. Le patient a affirmé que de 2010 à 2013, le médicament ne faisait plus aucun effet. Il a rapporté que son humeur était vraiment empirée. 2013-2014, là où s'est passée la mort, le patient a commencé l'automédication, s'administrant des doses plus fortes. Et de 2014 à aujourd'hui, dose de 30 mg, deux fois par jour, en augmentant à 3 fois par jour après 2 semaines. Si le patient signale l'un des symptômes suivants, veuillez contacter un médecin immédiatement. Effets secondaires, hypotension, vision floue, étourdissement, insomnie, vomissement, diarrhée, tremblement musculaire et dommage au foie. Symptômes de sevrage, nausées, insomnie, cauchemar, agitation, hallucination, paranoïa, agressivité, trouble de l'élocution, ataxie, catatonie et choc. Ok. Ouais, le Joshua, il était fou bien avant la mort de ses sœurs. Message du docteur Hill. Bonjour Josh, c'est Alan. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de vous écrire, mais c'est important, j'ai reçu votre email. Je ne pense pas que votre plan nous aide. Je pense que vous devez arrêter ce que vous faites et venir me voir. Décrochez s'il vous plaît, je commence à m'inquiéter.
Josh a dit « Laissez-moi tranquille ». Prenez-vous toujours vos médicaments ? Josh a dit « Je vais bien ». Il est très dangereux d'arrêter votre traitement à mi-parcours, Josh. Contactez mon bureau pour prendre un rendez-vous, s'il vous plaît. Josh répondait « S'il vous plaît ». Qu'est-ce que c'était tout ça ? C'était sûrement un message de docteur. Ok. Ne jamais oublier. Ok. Les potes, j'avais dans mon let's play YouTube, j'avais compris pour Josh ou pas avant? Avant qu'on soit sûr, avant la fin du jeu, quoi. J'avais commencé à comprendre certains trucs où j'étais teubé. Ouais, je crois. Oh, ok, ça va, alors je suis rassuré. Je suis rassuré quant à mon état à l'époque. Attends. Je dois passer la porte ou pas? Il y a des indices, là. Bonjour. Et merci de m'avoir rejoint. Ce soir, nous allons mener une petite expérience. Bonsoir. Bonsoir, mes enfants. Non. Non, ça va pas. Bonsoir, mes amis. Putain de merde. Ah. Je suis même pas sûr que j'avais trouvé ce message. No spoil. Non, non, mais il n'y a pas de spoil. Mais enfin, là, les gars, avec tout ce qu'on est en train de voir, si vous calculez pas, c'est bizarre. Oh, putain, ok, attendez. Attendez. Là, il y a quoi? Ah bah oui, bah il est juste là, le mec. Ok. Quelqu'un pourrait m'expliquer le plot twist? Bah non, on va pas vous l'expliquer. Vous allez le comprendre au fur et à mesure. Si vous avez toujours pas compris. Vous allez comprendre à la fin. Enfin là, si vous avez pas compris, je peux rien faire pour vous aussi. C'est que vous ne suivez pas mes vidéos. Ok. On va aller checker au fond quand même ou pas? Donc là, il n'y a pas de totem, hein. On est d'accord. Ça va. Ok. Ça, on l'avait retrouvé. Ok. Et il y en a pour de la thune, hein, tout le matos, hein. N'oubliez pas que j'aimerais faire des lives depuis New York. Le chat. Putain, c'est Chris. Hey, it's Chris. Mike, qu'est-ce que tu fous it's là, Mike. Y'a... Oh, putain, Mike, heureusement que tu m'as trouvé. Tout va bien. Tout va bien. Ça va, toi? Jess, elle est où? Elle est pas avec toi. Jessica est morte. Quoi? Il l'a tuée, Sam. Il y a un psychopathe dans cette montagne qui veut nous tuer, un par un. Je te promets que quand tout le monde sera sain et sauf, je vais traquer cet enfoiré et lui arracher les couilles une par une en prenant mon temps. Wow. Écoute, ce gars dont tu viens de me parler, il m'a attaqué. Il m'a montré ses vidéos. Et sur l'une d'entre elles, il y a Josh qui se fait tuer. Genre déchiré par cette putain d'énorme scie. Oh, mais dis les indices que tu viens de trouver, wesh. Mike, je pense que Josh est en partie derrière tout ça. Attends que... Quoi? Voilà, GG. Je suis pas sûre du tout, mais il y avait un message de son docteur et il parlait d'un plan comme étant une mauvaise idée et maintenant il est mort. Eh, chat, vraie question.
Si on n'avait pas trouvé les indices, elle l'aurait dit ou pas? Qu'est-ce que c'est tout ce bordel? Il y a une porte là. Elle s'ouvre pas. Tu peux l'ouvrir de ton côté? Non? Ok. Voilà, on dirait moi. C'est pour ça qu'il avait péta mes affaires. Ben reprends tes affaires au pire, Bibiche. Ok. Attends, on peut pas aller derrière la porte, dommage. Dommage! Ah, attends, on va retrouver Mike là? La serviette, c'était pas la meilleure tenue pour combattre des tueurs psychopathes. Mike, tu permets? Non, oh, oui. Oui, pardon. Ok, tenue de plongée. Ouf. Ok, ça c'est fait. Faut qu'on passe à autre chose. Entièrement d'accord. C'était quoi? C'est... quelqu'un qui pleure. Non! Non, non, non! Dégage! Oh, Chris. Oh, Chris, 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 Chris. C'est quoi, ça? Tu as déjà entendu parler des balablas? Non, sérieusement. Ah voilà, vous l'avez! Oh putain! Oh, vous l'avez le plot twist! Bordel! Matt! Matt! Oh mon dieu! Merde! De 20 cm. Ah oui, mais abruti. Eh non, mais c'est... Un écureuil, il est de retour. Oh merde, 600 dollars dans le vent. J'espère que ça vaut le coup, j'étais superbe dans ce haut. Voilà, sinon c'est cool. Ok. Pas de totem? Enfin... Oh,
Vous auriez voulu être à quelle place, là, à l'heure actuelle? Dans cette mine? Ou avec le psychopathe dans le chalet? En vrai de vrai? Ouais, le psychopathe, hein, c'est plus cool. Hein. Puis au moins, on est à l'abri. Bon, vous me dites si je passe à côté d'un Michael's Totem? C'est une belle chaîne. L'équipe des exploseurs se prépare à dynamiter la nouvelle galerie. Ok. Attends. Avant de faire ça, peut-être aller checker là-haut, non? Peut-être, je dis ça, je dis rien. Ils auraient pu mettre 4000 totems, mais ils ont rien mis. Putain, les totems, ça commence à se faire rare là-haut. Terrible. C'est grand. Oh, Michael's Totem là, seul? Non. Là. Ça va, c'est fermé. Là. Indice trouvé. Machine de pointage, ok. Donc il y avait des mineurs. Et on parle pas. Wow. Et on parle pas de l'outil préféré, évidemment, des youtubeurs. Michaels. Oh la vache! Je reconnais ça. C'est une balle dans la tête. Attends. C'est Mike? Non, mais en même temps, c'était même pas pour troller, c'était Mike, non? Les affaires et la coupe de veuche. C'était pas la veste. Non, c'était Chris, pardon. Ok. On est d'accord. Non, non, je jouais pas avec, les gars. Même si c'était une belle tête. Un beau headshot.
Qu'est-ce qu'on a là? On passe là? On utilise ça? On le prend ou pas? Merde! Bon bah voilà, on a la réponse. Comment ça s'allume ce truc? On a la réponse? Oh, il y a une chauve-souris, elle est kéblo ou... Bon, niveau totem, on avance. J'ai vraiment hâte de voir le film final. Je crois qu'on l'avait jamais vu sur YouTube. Belle échelle, hein. Je m'en bats les couilles des têtes de mort. Wow, gros écureuil lui, hein. C'est le papa écureuil. Matt. Non mais je sais qu'on peut regarder une partie du film, mais moi je veux le film au complet, les gars. On s'en fout de regarder juste une partie. Oh, oh étrange. Vraiment étrange. Oh. Oh, il ressemble à Josh, le daron, non? À gauche. Not Billy. Reviens vite chez nous, sain et sauf, de ta tendre épouse et de ta fille. Agnès et Louise, on t'embrasse. Il ressemble un peu à Rami Malek. Ça aurait été cool qu'il relie les histoires entre Zikwari et celle-là. Ça aurait été incroyable. En vrai. Mais je crois qu'il y a des théories autour de tout ça. En vrai, quand on aura terminé le jeu, on ira lire les théories un peu. Tu sais, les théories un peu fumeuses. Wesh. Check partout. Ok. Bon, je pense qu'on a quasi tout. Ils abusent jamais assez sur les cris à chaque fois. Bon après attention, on n'aurait pas fait un quart de ce qu'il a fait les gars. Toi tu te serais jeté d'une pierre à une autre, tu serais mort. Hein. Tu le sais. Ouah, attends, y a rien là? Ça serait trop beau pour qu'il y ait rien. Ça serait trop beau qu'il y ait rien. Y'a rien là?
Matt. Et la gauche, R. Allez, putain de merde! Bordel de merde! Wow. Merde. J'ai sursauté. C'est un écureuil qui crache du feu, visiblement. J'ai pas compris le délire de pourquoi ça crache du feu, frère. Ah bah ça va, c'est cool, il y a une lampe torche. Enfin, une torche pour le coup. Catonne. Oh, enfin, quelque chose qui marche. Oh. Et là, il y a quoi là? Attends, on vient de là, c'est ça? J'ai rien loupé là, on est d'accord? En vrai de vrai? Pas l'air d'avoir loupé des choses, hein. Je m'amuse vraiment à tout check. Un baila. Un baila baila babamba. Se necessite una voga di grazia. Una voga di grazia, vasi vasi, arriva, arriva. Arriva, arriva, chiesere, chiesere, chiesere. Baila bamba. Baila bamba. Oh! Michael Stotem. Je sais pas pourquoi je dis Michael Stotem. Y a aucune ref, les gars. Hein. Y a aucun secret derrière cette blague nulle. Ce n'est pas une blague. Oh. Un totem de danger. Ok, c'est Chris. Tout est Chris. Mike, ouais, Mike, Chris, mais j'ai l'impression qu'ils ont tous le même manteau. Bah dis donc. C'est bizarre ici. Pas ouf l'ambiance. Matt. Écris Matt comme si Matt il allait descendre la chercher, bordel de merde. Oui. Et comment tu montes ça, bichette? Quoi? Voilà. Alors, on a quelque chose déjà ici. Des lunettes. Anna. Donc Anna était tombée ici. Ok. On a un indice ici. C'était exactement il y a un an. Marc Gravé indique la date de la disparition d'Anna et Bess, ainsi qu'un compte de jours. Quelqu'un a vécu un long moment ici. Qu'est-ce que ça signifie?
Quand est-ce que tu t'en fais faire un, Bess? Charmant. Danger, c'est mon putain de surnom. Ah, comme Abella. Ok. On avait trouvé... Je sais plus où on avait trouvé l'autre panneau. L'autre partie du panneau, mais on l'avait trouvé. Je rappelle que tous ceux qui ont la référence de cette blague ne sont que des pervers sexuels. Donc là, c'est de là où on vient. Alors, j'ai rien loupé, hein. Ceci est très embêtant. Putain, non ! Mais attends, attends, je me souviens plus du sort. Donc Bess a survécu. Là, je me souviens plus, hein, je vous spoil même pas, c'est que j'essaye de faire en fonction de ce qu'on voit là depuis tout à l'heure. Donc Bess a survécu, wesh ! Mais pas Anna, Anna Montana. Spoilez pas le chat, hein. Mais ça veut dire qu'elle s'est transformée ou... Oh. Qu'est-ce donc? Oh, elle était ici. Et genre, pourquoi personne n'aurait fait des vraies recherches? Je comprends pas, approfondi. Ça veut dire que les corps n'ont pas été trouvés. C'est bizarre. Bizarre, bizarre. Vous avez dit bizarre. Wow, frère. Son bonnet. Ah! Bon, Bess est morte. C'est évident. Oh putain, non! Oh Bess, non! Oh frère, non, non! Bon, elle, elle est morte. On le sait. Viens d'en avoir la preuve. Oh, Bess. Belle tête. Ok. Putain, il y a un bail à gauche, wesh. Les gars, à gauche, il y a un bail de Dubaï. J'ai loupé un truc, là. Attends. C'était par là. Ah, mais non, je l'ai fait, ça. C'était la petite... Ok, oh, les salauds. Attends, je confirme. Ok. C'était ça. Ok. Alors, un petit totem? Ok.
Les modérateurs supprimez tout spoil, les gars. Et si quelqu'un insiste, 10 minutes. Pareil pour ceux qui préviennent pour les screamers. Évidemment. Ok, on est de retour ici. Bon, j'ai rien oublié. Je crois ne rien avoir oublié. Bon, allez, baigne-toi. Oh non. Non. Je regardais le chat, les gars. Est-ce que vous m'autorisez à revenir en arrière? Je regardais le chat, donc j'ai pris la manette. Ouais, bah ouais quand même. En vrai de vrai, en ça tout ça. Pas besoin. Ouais, mais c'est pas grave. Je regardais le chat, j'étais pas... J'avais la manette totalement verticale. Et voilà quoi, terrible erreur. On va tout refaire, on est reparti. Ça change pas, je pense. C'est du cheat. Non, c'est pas vraiment du cheat. On est en live. Si on n'était pas en live, je regarderais pas le chat, frérot. J'aurais la main sur la manette, donc... c'est pas ce qu'on peut appeler du cheat. Tu vas faire comment pour YouTube? Bah, je vais rien faire. Je vais... YouTube, c'est pas grave si... Les gars, j'ai pas reboot pour... Voilà. J'ai pas reboot, comment on appelle ça? Pour YouTube, et je l'avais fait bien. Donc non, pas de cut. Bah, on cache rien, les gars, on s'en bat les couilles. On l'a déjà fait, cette aventure. Bon, allez, je vous regarde plus le chat. Ouais, bon, elle m'aurait sûrement déjà cramé vu que finalement je finis par courir. Et je me souviens plus du tout qui est le mec au lance-flamme. Hein. Vraiment. Parce que ça veut dire que c'est à cause de lui que les deux sœurs sont. C'était tellement les pires phases. Quoi? Josh? Josh! Josh. Oh, magnifique. Bravo à tous. Vous m'avez trouvé. Et vous vous en êtes bien sortis. Bien, bien, bien. Alors, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Ça vous a plu d'être terrorisé, humilié et même paniqué? Toutes ces émotions que mes sœurs ont dû ressentir il y a un an. Et devinez quoi? Elles pourront pas en rire, elles! Non! Parce qu'elles sont mortes! Je sais pas si t'as remarqué, Josh, mais ça fait rire personne, là. Allez, faites pas cette tête-là! C'est bon d'avoir le cœur qui s'emballe de temps en temps, non? Et ils sont bien emballés, tous vos petits cœurs. Boum boum, boum boum. J'espère que vous avez apprécié mon petit spectacle fantasmagorique. Avec chaque petit détail, pas d'opportunité ratée. C'était tellement un plaisir de pouvoir jouer le marionnettiste de
de toute cette panique. Oh, je me souviens même pas de ça. Tout ce sang, le sang, c'était un festival. Faux cadavres. En plus, ces conneries, c'est super cher. Ils sont ratés. Non. Tout en une seule prise. Oh, vous auriez dû voir ma tête. Je sais tes matchs. Vous avez totalement gobé. Josh, il y avait ta signature derrière tout ça. Bien sûr que c'était toi. Oh, vraiment? Vraiment? En fait, tu appelles au secours, Josh. Tu voulais te faire choper, pas vrai? Ouais, c'est ça. J'appelle carrément au secours. À l'aide. Allez, c'était juste pour rire. Quoi? Vous avez un peu l'air con maintenant, c'est tout. Personne n'est blessé. Tu sais même pas ce que tu dis, enfoiré! Jessica est morte, putain! Quoi? T'as entendu? Jessica est morte. Mais tu vas payer pour ça, connard! Mais je le voyais... Putain, dans mes souvenirs, je le voyais beaucoup plus fou que ça. Hé, les gars! Sérieusement, c'est... C'est débile, vous savez. La ferme. Pourquoi tu l'as frappé? Hein? Pourquoi tu l'as frappé, putain? Oh. Mais enfin, de quoi tu parles? Frappé Ashley, sale ordure. Oh, je suis devenu dingue. On frappe pas une fille. Ça se fait pas. Chris, sérieux, mon pote. Chris, je suis pas ton pote. Où est-ce qu'on va? Où est-ce que vous m'emmenez? On t'enferme, mon pote. Quoi? Ok, merci. Comme ça, tu feras pas d'autres conneries avant qu'on appelle les flics demain matin. Allez. Enfin quoi, j'ai rien fait du tout. Tu te fous de ma gueule? Un putain de meurtrier, voilà ce que t'es. J'ai vraiment rien fait. Mike, pitié, putain. Mike, s'il te plaît, écoute-moi, j'ai jamais touché à Jess. Ouais, t'as mérité les quelques patates, mais... Mais t'es malade? Putain, j'y crois pas. Est-ce qu'au moins tu te rends compte de ce que t'as fait? Je suis un guérisseur! Putain! Moi, je réunis les gens! Pas comme vous, pauvre con! Ça suffit. Tu veux voir les choses comme tu veux les voir. Tu es... Ferme-la, putain! Tu es... Putain, c'est pas de ma faute si vous avez aucun humour! Oh, pardon, je t'ai fait mal? Tu souffres? Tu souffres un petit peu? Dans ce cas, je suis tellement... Tellement désolé! Arrête! Stop! Michael, je suis désolé, mec. Tu sais pas à quel point je suis désolé. Désolé pour tout ce qui est arrivé à Jessica. Mais je te jure que je sais absolument rien de tout ça. Ouais, attends, mais je me souviens pas de ça, hein. Mike, ça... Je sais pas, y'a vraiment un truc qui cloche, là. Quoi, c'est une blague? J'ai vraiment du mal à concevoir comment il aurait pu faire quoi que ce soit contre Jess. J'ai vu ce qu'il lui a fait. De mes propres yeux. Ça, c'est son sang. Ok, on peut passer à autre chose. Putain! On ne plaisante pas! C'est pas juste! Non! Ça devait pas du tout se passer comme ça! Il a mis un an pour préparer une blague. Vous êtes une bande de sales brutes! Vous pouvez pas partir. Vous pouvez pas me laisser crever ici. Hein? C'est pas comme si vous aviez le cran de le faire pour de vrai, de toute façon! Stop! Oh, la ferme, t'es le plus grand trouillard qui soit. Ah ouais? J'ai fait des choses. J'ai créé un monde auquel vous avez tous cru. J'ai révélé une part de vous-même dont vous aviez tous peur. Tu nous as manipulés, tu nous as piégés, tu as blessé tes amis, et tout ça en restant dans l'ombre. T'es qu'un sale lâche, Josh. C'est tout ce que t'es. Ok, on me lit
là, ok? Bouge pas, ouais, mec. Ouais, ouais, très bien, mais... Tu peux pas les attacher si ils gigotent comme ça. Josh, sérieux? Moi, tu me laisses de quoi bouger? C'est un gamin. Un peu, quand même, hein? Mais quand est-ce que tu vas la fermer? Moi, chérie, ok? Moi, chérie, je peux plus bouger. Dès qu'il est en place. Putain, mais de quoi il parle, bordel? C'est dur à regarder. Quand tu fais une prise, il a déjà dit ce genre de conneries avant? Non, je l'ai jamais vu comme ça. Ils sont tous débiles. Ils sont tous débiles. Chris et Ash. Chris est un lâche. Ashley est une idiote. Pardon, qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit que t'étais idiot, idiot. C'est quoi ton problème? Oh, Ashley. Ashley, je vais te tirer de là, je vais pas te laisser mourir. J'imaginais pas dans mes rêves les plus fous que tu m'aimais. Stop. Et tu connais ce bruit? Le bruit de jamais embrasser Ashley, connard. Stop. Ouais, tu sais, tu pourrais bien laisser Ashley avec Mike. Bah ouais, au moins lui, il en a sous la ceinture, tu sais. Elle devrait aimer ça! T'es vraiment pathétique, Christopher! Je vais lui arracher la tête! Non, l'écoute pas! Laisse tomber! Hey, Mike! 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 Quoi? Si on parlait de... Jess, Mike? Tu sais ce qui s'est passé? Non! Non! C'est seulement que... j'ai un problème, Mike. Je me souviens pas avoir tué Jess. Putain. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je le saurais si j'avais eu envie de la tuer. Elle est si douce. Et j'imagine qu'elle doit être super bien foutue. Ferme ta putain de gueule! Sérieusement? Quoi? Tu pensais vraiment que j'allais le tuer? Je sais pas. Mais enfin, Chris, tu me connais bien mieux que ça. Ouais, Chris, tu me connais bien mieux que ça, non? Ouais, la prochaine fois, préviens-moi avant, d'accord? Ils sont trop mignons! Ils arrivent même pas à jouer aux flics correctement! Laissez faire les pros, les mecs! Tu devrais aller au chalet. Oui, il me fait rire. Pour t'assurer que tout va bien. Tara et moi, on reste là jusqu'à demain matin. Oh, c'est la fête. Hein? On commande des pizzas? T'es sûr que ça va? Ouais, ils voudront savoir que tout va bien ici. Pas faux. À demain matin. Putain, mais pour moi, c'était vraiment un psychopathe. Il voulait tuer tout le monde, mais en fait, il voulait juste faire une grosse blague. Vous êtes d'abord, Don Gilden!